était une fois un sultan qui s'appelait Shahriar et qui régnait sur tout l'Orient. Il ne fallait surtout pas le contredire, sinon il pouvait entrer dans une colère noire. Un jour, il apprit qu'il était invité par un autre sultan. Le lendemain matin, il partit avec un millier d'hommes pour aller à son palais. Vers minuit, ils firent une pause au milieu du désert et dans sa tente, Shahriar entendit deux gardes dire que Dinah, sa femme, devait être contente qu'il soit parti. Sur ces paroles, le sultan, dans tous ses états, retourna seul à son palais pour en avoir le cœur net. Pourquoi sa femme serait-elle contente ? Quand il y arriva, il rentra par surprise dans sa chambre et découvrit Dinah, sa femme, en train de dormir avec un esclave. Le sultan leur trancha la gorge et fit la même chose aux autres personnes présentes dans le palais cette nuit-là. Il décida alors d'instaurer une nouvelle loi. Chaque jour, il se marierait avec une femme. Et chaque matin, après la nuit de noces, cette femme serait tuée. Ainsi, on ne pourrait plus jamais le trahir. Depuis ce jour, tous les pères cachèrent ou défigurèrent leurs filles pour qu'elles ne soient pas choisies par Shahriar. Les mois passèrent et un jour, la fille du vizir, la belle Scheherazade, dit à son père qu'elle voulait épouser le sultan Shahriar. Son père n'était pas du tout d'accord. Il lui dit qu'elle mourrait si elle faisait cela, c'était la loi. Mais Scheherazade avait un plan, et son père finit par la laisser aller en pleurant. Le soir des noces entre Shahriar et Scheherazade, la ville entière pleura et pria. Vers minuit, Scheherazade demanda une faveur à son nouveau mari. Le sultan accepta. Cette faveur était simplement de lui raconter une histoire. Scheherazade parla toute la nuit et au petit matin, elle s'arrêta au moment où le sultan voulait connaître la suite. Alors, Scheherazade lui dit « Si vous voulez connaître la suite, il faudra m'accorder encore 24 heures avant de me livrer au bourreau. » Puisque Shahriar voulait connaître la fin de l'histoire, il lui accorda encore une journée. Puis Scheherazade fit la même chose la nuit suivante. Elle s'arrêta au moment le plus intéressant de son récit. Et la nuit suivante encore. Ceci pendant mille et une nuits. Le lendemain de la mille et unième nuit, le sultan était tellement amoureux d'elle qu'il décida de ne pas la tuer et de vivre éternellement à ses côtés. Ainsi se termine l'histoire de Scheherazade.